in the air. I want you to jump. Jump. Like you're trying to get stuck in it. Salut, vous avez compris, nouveau vlog. Donc on est mercredi matin, c'était ma séance 3 à la salle. Et là je suis sur le montage de la vidéo de la transformation de Pascal. Elle est sortie dimanche, j'espère que vous l'avez vu parce qu'elle est vraiment lourde. Petit goûter, à midi c'était steak tartare. Encore, petit goûter Mars protéiné. Vous avez compris, je suis addict, il va falloir que je refasse les stocks. Bon, là ce soir j'ai fait quelques courses, pas grand chose parce que j'ai déjà, il me reste pas mal de trucs. Mais juste pour vous montrer, donc un peu de pain complet, pas mal de badois, avec bien sûr des citrons pour pouvoir se faire des petits perrier tranches, enfin des badois tranches. Et petite astuce, donc vous savez que c'est bon pour la santé quand vous recevez quelqu'un ou quoi, vous voulez payer un verre, vous savez que c'est zéro calorie, de l'eau gazeuse avec un petit citron juste. N'hésitez pas à nettoyer le citron parce que vous mettez la peau aussi dans le verre. Forcément, voilà. S'il y a un peu d'impureté ou quoi dessus, voir si vous pouvez, on sait pas, en lavant bien, éliminer un peu les pesticides, c'est pas plus mal. Bref, ensuite des bananes, des fraises, des oranges, enfin des clémentines. Des petites carottes coupées, une petite soupe green shot, voilà, de temps en temps ça passe bien. Bon, ça c'est un peu plaisir, mais les... Comment ça s'appelle ça? Bref, les bâtonnets au saumon, un petit peu de poulet, des steaks surgelés 5%. Ça, bon bah des légumes en conserve, voilà, tout simplement parce qu'ils sont super bons, c'est vraiment pratique. Il y a un petit peu de gras dedans, mais c'est pas la folie, donc voilà. Et un petit peu d'amande pour le matin, il me reste des céréales, ça, des fois qu'on avoine, donc j'ai pas repris. Jeudi matin, direction Voiron, vers Grenoble pour un tournage pour Fitness Boutique. Et je pense que ça va être marrant parce qu'on doit faire des scènes un petit peu spéciales avec Alex. Bon, arrivé au studio, et là, putain, ça rigole pas. C'est vraiment fat. Moi, je pensais qu'on allait faire un petit truc vite fait. Bon, ils m'ont fait comprendre, c'était pas le cas. Bon, vous me connaissez, je voulais manger propre, comme d'hab. Mais voilà les chétades. Donc McDo, donc d'abord on mange et après promis on travaille. Bon c'est parti, Alex est enfin arrivé à la boire, comme d'hab. Mais c'est super. Et là ça fait vraiment comme Jamel. Vous avez la caméra ici, on va être face cam. Ouais, c'est à toi que je parle. Tu fais quoi encore là? T'as pas entendu la nouvelle? Non. J'ai arrivé trop tôt, non? Non, c'était pas. Non, non, c'est bien, c'est bien. Tu le regardes, bref, on va passer les gars. Bon, toujours en plein tournage pour Fitness Boutique, là on a fait Secret Fitness, on vous l'a fait en rapide. T'étais où hein? Quoi? Arrête de m'embêter. Hein. Ouais, c'est ça, bref. Mais on est un peu meilleur quand même dans la pub. Ouais. Et juste, Estelle nous ramène des produits de chez Fitness Boutique vides pour le tournage. Comment nous si on a faim? Estelle Crevard. Juste, donc Estelle la Crevarde, c'est elle. Voilà, la Crevarde. Il nous a fini tout le pot de Sautesti. Voilà. C'est quoi ta chaîne? Ma chaîne, c'est Estelle Gabriel, mais je chante dessus. Ok. Fais-nous quelque chose. Elle est aussi scénariste. Elle écrit là. Aussi. Vas-y, chante. Là, c'est compliqué là. Mais elle a déjà chanté avec Alex, si vous avez vu ça. Mandoline, ça l'appelle comme ça maintenant au bureau. Ouais, merci Alex pour ça d'ailleurs, parce que c'est une dédicace aux copines du boulot. C'est Mandoline qui vous parle. C'est bon, tu peux couper. C'est bon. Pas d'entraînement aujourd'hui, vous avez vu, et pour ce soir, ce sera sushi et petite salade en entrée. Ça a l'air très très bon. Allez, vendredi dans la voiture à Pascal avec de la musique bizarre. Elle est bien. Fin de semaine, ça va? Ouais, cette semaine, fini sa transfo, donc j'espère que ça sèche toujours. Ouais, ça sèche toujours. J'ai été un peu moins exigeant, mais quand même je sèche et puis je suis un peu malade, donc ça s'entend que je parle. Ça s'entend un peu, ouais. Le nez dans le boule. Donc voilà. Un mytho, un sourire. Et le cœur qui ne veut plus se nourrir. Tu fais tomber plus des dans minutes, la prochaine des fois. Années sur la montre. Allez, attends. On va pas débriefer parce qu'elle est fière de la transformation. Très. Réponse, s'il te plaît. Oui, je suis fier. Ça, j'ai rigolé comme un con. Ça va? Ouais. Ça va. Je me sens un peu musclé. Bon, tu vas commencer un jour ou pas? Mal prise. Oh, cette prise de sauvage. Je suis vraiment énervé parce que PJ il abuse.
Ma barbe, je l'ai designée, il me dit que j'ai 4 poils au-dessus. Il est jaloux, jaloux ce mec. Allez. 12. 5. 2. Allez. Ce qu'on n'avait pas dit, c'est que c'est lesté. Hein. Une. Deux. Si tu veux, passe pas le menton en haut. Putain, il est léger maintenant, comme une plume. Petite astuce, petit tip. On m'a souvent demandé comment on met l'haltère pour les tractions. Regardez, on fait depuis le départ. On monte depuis le départ. Prise au sol, pronation. Boum, je décolle. Flexion de genou, je la place. Montez bien ce pied là. Je me suspends et voilà, parfait. Quelle bûche. Alors là tu m'as dit que je passais pas le menton, je vais voir si tu le passes là. Vas-y, passe-le pour voir le menton. Ouais, t'as lâché le poids. Hein. Il a lâché le poids, je tiens à le montrer. Hop. Allez mademoiselle. Madame ou mademoiselle? Allez. Oh c'est rouge. Oh c'est rouge. J'ai ma casquette. Allez. C'est une casquette quoi ça? C'est de quelle marque? Fitness Boutique. Fitness Boutique. Fit Drivers. Ouh. T'as l'air d'en chier là. Non, je déconne. C'est vrai? Y'a pas de poids. Y'a pas de poids? Non, y'a pas de poids. Non. Oh oui. Oh oui. C'était assez léger. C'était une méthode de motivation. Quand tu tournes une vidéo de motivation, peu importe le poids, tu fais semblant que c'est super lourd. Et la plupart ils font ça même tout le temps, même dans les salles, de la première à la dernière rep, les visages, ils ont chié comme des ouf. Ouais. Moi avec le visage, les gars, les filles, plus forcés réellement. Allez, maintenant on va mettre les vrais poids et voir s'ils forcent vraiment. Vous remarquerez, enfin non, vous remarquerez peut-être pas, mais moi je remarque, il a enlevé 2 kilos. Non. Il est fragile, oui, monsieur fragile. Allez, bah tu j'en rajoute. Ouais, l'orgueil, le mec. Bon, c'est notre dernière séance, tout comme ça, parce que lundi on attaque le nouveau Train USB. Donc, quand la vidéo elle sort, il a déjà attaqué le nouveau. Rejoignez les armées si vous voulez tester ça. Bref, là c'est incliné, prise neutre. Pascal est dans une forme olympique. Non, je suis malade. Mais je viens quand même. Vous voyez, comme je vous motive, je suis malade, mais je viens. Allez, ouais. Ah putain, mais j'ai une crampe à l'orteil, mais c'est pas possible. Alors que je fais les pecs et je fais le dos. Je comprends pas. C'est normal ça, t'as mis dans le Train USB ça ou pas? Débrouille-toi avec moi si tu veux. Hein? Allez. On voulait tous avoir la Dolce Vita. On a grandi mais sans toi je vis pas. Tu sais qu'on n'a pas gagné au loto. J'aimerais savoir ce qu'il faut pour toi. J'ai fait des erreurs pour que ça me serve. J'ai beaucoup voyagé sans me... Samedi matin, direction la salle. Je suis passé chercher Pascal. Bien sûr, il est en retard. Et là on va aller au Happy Gym à Genas rejoindre Sisouné. Sylvain, je sais qu'il aime bien quand on l'appelle Sisouné. Et cette petite séance, c'est la dernière de mon Train USB de mars qui l'empiète toujours sur avril. Et donc lundi, j'attaque le nouveau avec les jambes, tout ça. Donc je vais pas faire les jambes aujourd'hui, j'avoue, j'ai la flemme. Je vais plus faire des petits circuits, les bras que j'ai pas vraiment fait hier. Et voilà, petit entraînement tranquille avant le week-end. Et ce soir, grosse soirée pour les anniversaires de Sylvain, Sisouné et de Jacopo. Mais ça, vous aurez plus d'infos dans le prochain vlog d'Alex où il va filmer un peu la soirée et tout. 10 minutes de retard. Tu sais quand tu m'as dit je suis en bas? C'est dans ma chambre. Quand tu es en retard. Ok, bonjour. Et j'anticipe maintenant, je lui envoie le truc, je suis en bas. 10 minutes avant, comme ça je sais. Merci. Et il y a les 10 minutes légales de retard. Plus il est encore en retard. C'est un truc de ouf. C'est un gros. Le nombre de fois où tu m'as baisé. Arrivé donc à Pijim Jonas. Et qui c'est là? Jacques. Bonjour. Et bien sûr Sisouné. Je t'ai amené ton ensemble Sisouné. Ah c'est gentil, et je sais pas ta thune moi par contre. Parle pas d'argent devant les abonnés s'il te plaît. Tiens, ton nouvel ensemble beau gosse. Chut, on gagne pas d'argent nous. Ah oui c'est vrai, pardon. J'étais en train de me dire, j'étais une merde parce qu'on me présentait pas. Oui, bonjour, arrive à PJ, Pascal. Mais j'ai déjà dit que t'étais en retard, toi, ils te connaissent. Oh, bien joué. 34, c'est bien.
putain. Moi qui voulais pas m'entraîner. Sans comme d'hab. Waouh. Allez. Pourquoi tu fais cette tête de méchant là? Tu trouves pas Jacques qui fait une tête de méchant là? PJ? Franchement là tu me dis oui, je te traite de menteur parce que tu vois pas sa tête. Regardez comme tu fais rire avec sa tête. Ouvre les yeux qu'on voit que tu louches. Bien joué, il est presque resté beau gosse. C'était chaud, c'était trop chaud. Vous connaissez la musculation synchronisée ? Ouais, c'est pas de... c'est dégueulasse. Tu sais qu'il y a déjà plein de filles qui ont mis dans les commentaires, moi, mon préféré, c'est Yacopo Film de pas trop près, c'est le plus beau et tout. Par contre, il n'y a jamais personne qui a mis, moi, mon préféré, c'est Cantu. Ouais, mais bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le plus beau. C'est pas mon atout principal. Non, jamais vu ça. Yacopo, il va t'aider à bien garder le bassin droit. Approche-toi, par contre, Yacopo. N'hésite pas à être vraiment près de lui, qu'il sente, tu vois. Attends, je pose. C'est important. Je voudrais pas être déséquilibré. One. Two. Allez, 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 allez. Pascal s'est lancé un défi de faire 100 pompes. 70. Et là, comme il a senti que c'était pas possible pour lui, il vient de diminuer à 70. Mais si c'est un vrai, il va en faire 100. Allez. Une. Deux. 40 et il a déjà fait une pause à 35. Non, c'est pas vrai. T'es un menteur. 44. 46. 46, il refait une pause. Bah alors. Putain, j'étais pas le mettre dans la vidéo, c'est pas une bonne pub pour mon programme. 19h45, il est à 63. Le soleil est en train de se coucher, gros, dépêche-toi. 4, 5, 6, 7. Yacopo. Tu vois, il m'empêche de faire ma série. 67. Putain, il m'a cassé. J'allais faire les 100 là. Des quarts de rep. Oh. 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 21h30. Il reprend. 111. 91. 92. Encore une pause. Mais, ah, juste. Attends, bâtard. En tout cas, j'aime beaucoup la manière dont tu récupères. 92, 93, 94, 95, 17, 18. 98. T'en restes deux à faire. Allez, pour les, la Cantu Family. Là, il en manque une, gros, il en manque une. Et essaie de me niquer une rep en plus. Là, généralement, c'est à ce moment-là que, comme t'étais là, on peut te cracher dessus. Moi je vais relever le défi du coup, il m'a chauffé là. Maintenant que j'ai terminé en mode easy j'ai dit, facilement. C'est à PJ de faire le défi des 100 points. 35 en une fois si je veux le battre, ça va c'est, non c'est pas 35 faut que tu fasses. T'as fait 35 100. En une fois, 100 au total. Ouais mais, ce que je vous ai pas dit c'est que je suis enrhumé. Je suis un peu malade, j'ai mal dormi hier soir. Je dis rien parce que je veux pas te déconcentrer, mais les pompes elles sont dégueulasses. Mais c'est pas grave, je dis rien. 60. 60 pompes. J'en ai marre, ça y est là. C'est nul comme défi, c'est vraiment un défi de merde. Bâtard. C'est vraiment des bêtes. C'est très bien, mais faut m'arrêter un peu. Franchement, tu vas les revoir en vidéo, gros. La caméra elle bouge mais que sur ta tête. Tu sais le petit carré là, ça bouge qu'il y a. Ouais, tu fais pas ça. T'inquiète pas, j'ai les 100 balles. 19, 80, hop, une petite pause. Ouais, je fais 10 par 10 pour finir tranquille, de toute façon je l'ai niqué. Bâtard. 98, 99, 100.
Et le défi des 100 bons. Ouais, genre. Oh, c'est tranquille. Oh, par contre, t'as les yeux gorgés de sang. Hein. RDA, Pijim. Les poignées qu'ils ont. Ce truc de ouf. Tu vois ? Regardez. Ça te prend et tout, le pouce, ça te tient. Pouf, c'est magnifique. C'est d'une magnificence. Ah ouais, c'est l'efficacité. Là, là, il fait le beau gosse. Avec son petit ensemble body time qui lui moule les fesses. Ça, c'est le train Ouzmi Yacopo. Pour avoir les tétons apparents. Allez, tant, tant. Beau gosse, hein. Allez, soumets pas les couilles. Encore. Allez, posez les dents. Fais une tête beau gosse, Wow. Bon, entraînement terminé, il fait beau et chaud, il y a beaucoup de soleil. Là, on va aller manger sale. Ce soir, c'est l'anniversaire de Jacopo et de Sisune, je vous l'ai dit. Mais ça, vous le verrez dans le prochain vlog d'Alex. C'est qui, Sisune? Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Gardez la pêche. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires joyeux anniversaire Sisune et joyeux anniversaire Jacques. Merci. Ah, ils t'ont pas encore dit joyeux anniversaire. Mais merci quand même. Merci, en avance. En avance. Right now, whole state dog to my side right now. Tryna build a fan base high right now. So I tour around the world, see me ride that crowd. And we go until I make it like I'm never gonna stop that. Vibe too strong, never gonna top that. Lines going overhead like a top hat. All win till I drop that, yeah. Building up success, you know it's taking time. I'm choosing my own path and no one's making mine. Know I hit my goals, it gives a crazy high.